Vous regardez RTL. Grosse tête qui sait que le printemps vient de Mars et les femmes de Vénus. Valérie Mérez. Bravo. Ça joue sur vous le printemps, Valérie Mérès. Ah oui, moi j'aime que ça, hein, le printemps et l'été. Hein. Ah oui, oui. À l'hiver, je déteste. Hein. Ah oui, oui. Bah oui. Non, mais là, je voulais piquer une gueulante contre. Il se paraît que c'est la journée du bonheur aujourd'hui. Ah oui. Et je trouve ça grotesque, quoi. Ah oui. Ben oui. Mais t'énerve pas, t'énerve, faut pas s'énerver. Non, comme mais ça. Moi qui suis. T'as vraiment, pris RTT, hein. Moi qui suis vraiment à la recherche du bonheur depuis très longtemps, ben hein, c'est depuis aujourd'hui. Que je suis née, je trouve grotesque qu'on donne une journée du bonheur, surtout quand on voit comment les gens sont malheureux dans la rue, quoi. J'ai constaté le malheur à cause de la journée du bonheur, quoi. Je comprends mieux pourquoi ça tombe pas la journée de la femme, en tout cas. Et alors, est-ce que le printemps, ça fait quelque chose sur ta libido ? Ça te regarde pas, c'est pas avec toi que je vais le... Mais Valérie, puisque t'as l'air au courant, quel est l'esprit, quelle est la charte de cette journée du bonheur ? Bah, j'en sais rien, il faut sûrement sourire à tout le monde et dire « Ah, ça va, ah, ça va super bah, !» Non, parce tout. Que ça, ce serait la journée du sourire. Ouais. Ou la journée des faux culs. Mais je crois que c'était la journée sans viande. Aussi. Il y a des journées sans quoi, avec et sans plein de trucs. Je regardais les infos, j'ai vu un sondage, et d'ailleurs le sondage disait, est-ce que vous allez respecter la journée sans viande? Et à 80%, les gens ont dit non. Ah, très bien. Ça marche. C'est encourageant cette journée. Donc c'est pas la journée du bonheur des vaches aujourd'hui finalement. C'est parce qu'ils n'ont pas interrogé les véganes. Dites, c'est pas la journée sans intérêt. Pourtant, elle est bien. Non, là, franchement.